Dans ce cours, nous allons voir comment personnaliser la barre d'outils Accès rapide sous Excel 2010. Alors déjà, qu'est-ce que la barre d'outils Accès rapide? Où est-ce qu'elle se trouve? Bien, c'est la barre que vous avez en haut à gauche ici. Vous avez déjà des raccourcis pour enregistrer un document, pour annuler l'action précédente ou pour la refaire. Nous allons voir que nous allons pouvoir déplacer cette barre d'outils Accès rapide. Nous allons voir comment rajouter des commandes Excel, donc des outils, différents outils en raccourci, comment les supprimer et comment attribuer tel ou tel raccourci pour tel ou tel document. C'est-à-dire que le jour où je vais ouvrir activité sportive, j'aurai automatiquement mes raccourcis préférés qui vont s'ouvrir ici. Alors que quand je vais ouvrir un autre document, je n'aurai pas ces raccourcis-là. Vous allez voir par la suite.